Bonjour, alors le masque devient quelque chose de quotidien à porter pour tout le monde, que ce soit dans les magasins, sur son lieu de travail. Et le grand problème de ce masque, c'est surtout pour les porteurs de lunettes, ça engendre de la buée. Alors effectivement, quand le masque est bien mis, ça ne devrait pas en faire, mais en pratique, ça fait quand même, enfin moi je le teste et je le vois, ça fait quand même de la buée, surtout quand j'ai la visière en plus. Donc, pour qu'il n'y ait pas de buée, il existe plusieurs solutions. Vous avez certainement peut-être vu sur internet le fait de mettre du savon, de la mousse à raser ou des choses comme ça. Alors, le savon, oui, ça peut marcher, sauf que ça fait un verre assez gras et un peu moins transparent. La mousse à raser, on n'est vraiment pas sûr, et les verriers nous ont alertés par rapport à ça, parce que ça peut abîmer le verre, abîmer les traitements et l'intégrité du verre. Donc, comment faire pour éviter la buée? Eh bien, il existe des petites choses, comme ça, tout simplement. Des petites microfibres, dont vous avez l'habitude, hein, c'est les mêmes, ou presque, que celles dont vous avez l'habitude et qui vous sont fournies avec vos lunettes pour les essuyer, pour les nettoyer. Mais celles-ci sont légèrement imbibées et sans laisser de traces, vont vous mettre une petite pellicule dessus anti-buée. Ça vaut trois fois rien. Et j'attends avec impatience les sprays aussi. Alors, il faut savoir que nos fournisseurs ont été pris d'assaut par rapport à ça. J'avais commandé, moi, fin avril. Le fournisseur en question ne prend plus les commandes à partir depuis le 5 mai, donc avant la reprise. Mais j'avais commandé avant et anticipé. Donc j'attends avec impatience tous les sprays. Les petites microfibres, il m'en reste, mais stock limité. Donc dépêchez-vous si vous en voulez. Et je vous dis à très bientôt chez Atalaïste. Allez, au revoir.